Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Chantal Rocamboura aujourd'hui. Je suis là connectée sur Évangile TV pour parler d'un thème extraordinaire, la puissance du nom de Jésus. Ça va juste être formidable et extraordinaire. Alors, bienvenue à ce live. Prends toutes tes dispositions nécessaires pour pouvoir le suivre du début à la fin. Nous allons passer des temps extraordinaires dans la présence de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et je suis sûre qu'après ce live, ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. Alors, je vais te demander de m'aider à partager ce live autour de toi, sur tes réseaux sociaux, afin qu'on puisse être plus nombreux et qu'on puisse véritablement tous ensemble recevoir la parole de Dieu, cette parole qui change, cette parole qui transforme, cette parole qui permet à la puissance de Dieu de se manifester dans nos vies. Alléluia! Que toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ pour sa présence pendant ce live. Alléluia! Nous faisons des choses spirituelles. Lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est spirituel. La parole de Dieu est d'abord spirituelle. Elle est esprit et vie, Jésus va nous dire. Alors, pendant qu'elle sera libérée, il y a des murs qui vont tomber dans ta vie. Il y a des chaînes qui vont être brisées au nom puissant de Jésus. Alléluia! J'aimerais commencer par prier et remettre ces moments entre les mains du Seigneur et véritablement me positionner en faisant ce live au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ta présence, Seigneur, parmi nous. Nous prenons conscience de qui tu es, Seigneur. Nous prenons conscience de ce que tu nous as donné, de ce que tu as mis en nous, de tes grâces, de toutes tes grâces, de toutes tes bontés. Nous prenons conscience, Seigneur, de ta parole, Seigneur, de ta parole, Seigneur, qui va être libérée, Seigneur, pendant ce live. Et je crois et je déclare que tout le monde, Seigneur, connecté, qui entend ces paroles, qui suit ce live, Seigneur, sera véritablement transformé et bouleversé par la parole de Dieu, par ta parole. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que les cœurs sont touchés, que les cœurs sont transformés, que les mentalités sont transformées. Et tout ce qui s'opposait, Seigneur, tout ce qui faisait barrage à ta parole, Seigneur, dans les cœurs, tombe maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Merci, Père éternel, pour la transformation. Merci, Père éternel, pour l'impact, Seigneur, de ta parole dans notre esprit, pour l'impact de ta parole dans nos cœurs, pour l'impact de ta parole dans nos pensées, Seigneur, dans nos paroles, dans tout ce que nous sommes. Alléluia. Que toute la gloire te soit rendue pour ce live. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, merci parce que tu diriges chaque chose, parce que tu inspires, Seigneur, mes paroles, parce que tu inspires, Seigneur, ce live, Seigneur, afin que nous puissions passer à une autre dimension dans la révélation de ton nom, dans la révélation de la puissance de ton nom. Alléluia! Merci, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Alors, pendant ce live, vous aurez l'opportunité de pouvoir interagir avec moi sur ce live, de pouvoir, je verrai vos commentaires, je verrai tout ce que vous allez dire. Alors, n'hésitez pas à faire bouger le chat. Alléluia. Nous allons passer un merveilleux moment dans la présence de Dieu. À la fin, je prendrai, parfois même dans le live, je prendrai des temps de prière par rapport à certains sujets précis. Alléluia. Parce qu'il faut que les choses changent. Et le nom de Jésus ne nous a pas été donné en vain. Et nous devons comprendre le pourquoi du comment. Nous devons comprendre l'origine des choses. Vous savez, lorsqu'on grandit, lorsqu'on avance dans notre vie chrétienne, il est important d'avoir la compréhension des choses. Il est important d'avoir la compréhension spirituelle d'une chose et pas seulement avec notre intelligence naturelle, notre intelligence normale. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui lisent la Bible, il y a des théologiens, il y a des personnes qui lisent des livres religieux, qui lisent même justement la Bible, qui connaissent beaucoup de versets bibliques, mais pourtant, on ne voit pas de changement dans leur vie. On ne voit pas que leur vie, en fait, porte du fruit, porte un fruit digne d'un enfant de Dieu. Et c'est parce qu'en fait, il y a un problème au niveau, premièrement, de la compréhension de la parole de Dieu, de la compréhension de la parole de Dieu et de la mise en pratique de la parole de Dieu. Alléluia.
Et pour pouvoir mettre la parole de Dieu en pratique, nous avons besoin de la comprendre avec notre esprit, pas seulement avec notre intelligence. Notre intelligence est très importante parce qu'il faut méditer ces choses, il faut méditer la parole. Amen. Mais nous avons besoin de cette intelligence spirituelle comme l'apôtre Paul a pu le dire lorsqu'il priait en fait pour les chrétiens. Il disait, il demandait au Seigneur d'illuminer les yeux de notre cœur. Amen. D'illuminer les yeux de leur cœur afin que nous puissions avoir la révélation de qui est Dieu, de sa parole, parce que Dieu est sa parole. Alléluia. Et lorsque nous avons cette révélation-là, nous pouvons alors maintenant marcher en connaissance de cause. Nous pouvons alors marcher maintenant en posant des actions concrètes et spécifiques afin de pouvoir réussir à accomplir le plan parfait de Dieu pour notre vie. Amen. Et pour réussir à accomplir le plan parfait pour notre vie, nous avons, j'ai envie de dire, un outil extraordinaire, un outil merveilleux, un outil qui est puissant. Je parle et j'emploie ce terme d'outil de manière volontaire vraiment pour vous montrer à quel point c'est quelque chose qui nous a été donné. C'est quelque chose que nous possédons véritablement, à savoir le nom de Jésus. À savoir le nom de Jésus. Et j'aimerais lire un premier verset biblique. On va lire dans Philippiens, au chapitre 2, verset 9. Philippiens, chapitre 2, verset 9. Non, je vais même peut-être lire un peu plus haut. On va lire à partir du verset 5. Philippiens 2, à partir du verset 5. Jusqu'au verset 9, on va lire ensemble. Donc la Bible dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Verset 8. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9, très important. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Verset 10, afin que, qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia! Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quel verset extraordinaire, quel verset merveilleux. Verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus, qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que toute langue confesse la Seigneurie de Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Ah, mon ami, j'aimerais aujourd'hui que nous puissions réaliser ensemble cet outil merveilleux, extraordinaire que Dieu nous a donné. Et je dis cet outil de manière volontaire, comme je vous l'ai dit, parce que c'est véritablement un outil, c'est véritablement une arme de destruction, mais incroyable, destruction dans le camp de l'ennemi. Mais ce n'est pas seulement une arme de destruction, mais c'est une arme également pour bâtir, une arme pour construire, une arme pour changer, une arme pour transformer. Le nom de Jésus. Alléluia. Et je voulais juste lire ce verset pour commencer. Avant d'aller un peu plus loin, je pense qu'il est quand même important de pouvoir revenir à certaines bases dans la parole de Dieu qui concernent notre vie chrétienne, notre identité en Christ. Parce qu'il faut comprendre d'où vient le nom de Jésus, pourquoi le nom de Jésus, pourquoi on a certains avantages grâce au nom de Jésus. Comment utiliser le nom de Jésus? Dans quelles circonstances on l'utilise? Est-ce qu'on l'utilise dans toutes les circonstances? C'est quoi prier au nom de Jésus? C'est quoi marcher au nom de Jésus? C'est quoi agir au nom de Jésus? Toutes ces choses, c'est important, je pense, en tant qu'enfant de Dieu, de pouvoir les comprendre. Alléluia. Et
Nous allons donc prendre un passage pour commencer. Nous allons lire dans 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 17. Alléluia, parce que vous le savez, hein, qu'il y a plusieurs dispensations. Donc, il y a plusieurs dispensations. Et les dispensations, en fait, c'était les périodes où Dieu faisait des alliances avec les hommes. Et nous avons plusieurs dispensations. Mais en tout cas, les deux grandes dispensations, si je peux dire ça, c'est celle de la loi avec Moïse et celle de la grâce que nous sommes en train de vivre actuellement. C'est-à-dire, c'est une alliance qui a été faite entre Jésus et Dieu pour que, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, tout être humain ici sur la terre peut décider à n'importe quel moment de se repentir, de recevoir la vie de Jésus et de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc, ce qui veut dire que avant cette nouvelle alliance, cette dispensation justement, donc dispensation, alliance, vous pouvez changer les deux mots, il y avait d'autres dispensations. Et celle juste avant, c'était la dispensation de la loi, donc avec Moïse qui a ramené la loi, Dieu lui a donné la loi. Okay, donc il y avait un certain nombre de règles qu'il fallait respecter pour pouvoir être agréé de Dieu, pour pouvoir faire certaines choses, pour avoir le pardon des péchés. Voilà, il y avait tout un tas de lois de comment se comporter, etc. Et donc il y avait des choses dont on ne pouvait pas bénéficier. Il y a des choses dont on ne pouvait pas bénéficier que nous maintenant, en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons bénéficier. Alléluia. Et l'une des choses dont nous pouvons bénéficier, c'est le nom de Jésus. Alléluia. Et je vais, avant qu'on lise le passage, je vais essayer de revenir un peu plus loin pour vous expliquer un peu. Je veux vraiment revenir un peu dans les bases, certaines bases, parce que je pense que c'est important d'aller petit à petit, de pouvoir comprendre ces choses-là. Donc, avant de lire ce passage-là, je voudrais vous rappeler quand même que lorsque Dieu a créé l'être humain, Adam et Ève, il les a bénis, il leur a demandé de se multiplier, d'accord, de pouvoir venir dominer sur la terre, de pouvoir en fait instaurer le gouvernement de Dieu sur la terre. Ça veut dire quoi? De la même manière que Dieu règne au ciel, okay, il a donné la terre aux hommes. Et la Bible nous dit que les cieux sont les cieux de l'Éternel et il a donné la terre aux hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu règne au ciel et il a créé les êtres humains afin que les êtres humains puissent également régner sur la terre de la même manière qu'il règne aux cieux. Alléluia, de la même manière qu'il règne là où il y a son trône, là où il y a sa divine puissance, de la même manière qu'il règne là-bas, il faut que les êtres humains manifestent la divinité, manifestent le règne de Dieu sur la terre. Bon, vous connaissez quand même l'histoire de nos ancêtres, on va dire comme ça, Adam et Ève, qui malheureusement ont été séparés de Dieu lors de l'épisode du Jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits de ce jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal, d'accord? Et malheureusement, le diable est venu tenter, parce qu'il y avait une histoire aussi avant Adam et Ève avec le diable. Je rappelle que il a été déchu. Donc il avait pour but de véritablement s'opposer à Dieu et de tout ce qui concernait Dieu. Et je pense que ça l'a également énervé que l'être humain puisse avoir une position aussi supérieure et privilégiée, être comme Dieu. Parce que la Bible dit que lorsque Dieu a créé l'être humain, il a dit qui va le façonner à son image, à sa ressemblance. Alléluia. Donc, le diable voyant cela, de toute façon, en se disant, je vais m'opposer à tous les plans de Dieu, à tout ce que Dieu va faire, il a tenté l'être humain, il a tenté Adam et Ève, parce que l'être humain avait l'autorité légale et nécessaire de pouvoir imposer le règne de Dieu, de pouvoir manifester le règne de Dieu sur la terre. Ok? Il avait l'autorité légale, il avait toutes les autorisations, j'ai envie de dire, en fait, pour pouvoir le faire. Malheureusement, le diable est venu. Il les a mis, ce qu'on dit aujourd'hui, une disquette. Hein? Il les a embrouillés, il les a menti. En tout cas, il a donné des demi-vérités de sorte à ce que Adam et Ève aient fini par désobéir à Dieu, à pécher. Et au moment où ils ont péché, ils sont morts spirituellement. Ils ont été séparés de Dieu.
Et la Bible nous dit que Dieu va dire à Adam et Ève que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Vous mourrez. Il y a énormément de choses, en fait, qui sont venues suite au péché de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'Adam et Ève ont mangé, on a vu, on voit qu'ils ont vécu plus de 900 ans, ils ne sont pas morts tout de suite. Mais la traduction veut dire vous mourrez en mourant. Ok? Je vais essayer de traduire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où le péché est entré dans l'homme, en fait, et qu'ils ont été séparés de Dieu, alors quand la vie de Dieu a quitté le corps, a quitté la vie de Adam et Ève, en fait, quand ils ont péché, automatiquement, le péché a emmené la mort. Le péché a emmené la mort dans leur vie. Et il y a eu maintenant dégénérescence. Une dégénérescence qui a commencé dans leur corps, une dégénérescence qui a commencé dans leurs cellules, dans tout ce qu'ils devaient être. Il y a une dégénérescence qui a commencé. Pourquoi? Parce que la mort avait déjà infecté, avait déjà souillé l'esprit de Adam et Ève. Et là, c'est la raison pour laquelle ils ont été séparés de Dieu. Maintenant, quand le péché est venu séparer Adam et Ève de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, ils ont été chassés du jardin d'Éden, parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait l'arbre de la vie. Okay? Il y avait l'arbre de la vie et il ne fallait surtout pas qu'ils mangent ce fruit parce que sinon, ils allaient être comme des démons, en fait, parce qu'un esprit ne meurt pas, vous voyez, mais ils allaient être des pécheurs avec une vie éternelle. Non, ça allait être vraiment compliqué, ok? Donc, Dieu leur a dit, vous allez sortir du jardin, voilà, toutes les conséquences qui vont arriver, voilà, je vous épargne les détails. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de ce moment, l'homme a été séparé de Dieu. Et quand l'homme a été séparé de Dieu, par la même occasion, ils ont transféré leur autorité de manière légal, hein, parce qu'en désobéissant à Dieu, ils ont obéi au diable. Et la personne à qui tu te soumets, en fait, tu lui donnes l'autorité sur ta vie. C'est pour cela même d'ailleurs que lorsque on vient à Jésus, il faut pas seulement reconnaître que Jésus est le Fils de Dieu, mais il faut confesser la seigneurie de Jésus-Christ dans ta vie. C'est-à-dire que tu le reconnais comme ton Seigneur. Et c'est parce que tu le reconnais comme ton Seigneur, c'est parce que tu reconnais ça, sa seigneurie dans ta vie, en fait, que tu es soumis, tu es sous son mandat, tu es sous sa protection, sous son leadership, tu es soumis à lui. Amen. Donc, de la même manière que Adam et Ève, ils ont désobéi à Dieu, mais ça veut dire qu'à contrario, ils ont obéi au diable. Et quand ils ont obéi au diable, ils leur ont légué leur autorité. L'autorité que Dieu leur avait donnée pour pouvoir diriger sur cette terre. Et c'est pour ça que la Bible va nous dire justement que le Dieu de ce siècle aveugle l'intelligence des gens ici, là, pour pouvoir agir. Et on sait que le Dieu de ce siècle-là, dont la Bible parle, c'est le diable. Et ça, c'est 2 Corinthiens 4:4 qui nous le dit, qui dit, au verset 3 même, qui dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. Alléluia! Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Dieu de ce siècle a instauré un gouvernement sur cette terre. Ça veut dire, c'est pour ça qu'aujourd'hui, peu importe le pays dans lequel tu te trouves, peu importe le gouvernement pour lequel tu vas voter, il n'y a aucun gouvernement qui pourra véritablement ramener une paix durable. Aucun gouvernement terrestre, aucun gouvernement humain ne peut le faire. Seul le gouvernement de Christ est capable de le faire. Alléluia. Et il viendra régner. Alléluia. Gloire à Dieu. Il viendra régner. Notre Seigneur viendra régner et nous régnerons avec lui. Amen. Mais c'est pour vous dire que peu importe les gouvernements, à chaque fois on le voit, les êtres humains veulent mettre leur espérance, leur espoir en disant « Ah, tel président va venir, il a dit qu'il allait faire ceci, il a dit qu'il allait faire cela. » Et d'ailleurs, beaucoup de gouvernements nous promettent des choses, mais n'arrivent jamais à accomplir véritablement ce qu'ils disent parce que au fond, derrière tout cela, il y a quelqu'un, il y a le Dieu de ce siècle qui est Satan, qui est Lucifer,
qui a un gouvernement, a un système, d'accord, avec lequel il travaille, ce qu'on appelle le monde. Ok, il a son gouvernement qu'il a implanté ici sur cette terre, et c'est pour ça que vous allez voir plusieurs lois qui sont contre la parole de Dieu qui vont être adoptées, plusieurs lois qui sont contre la vie qui vont être adoptées, des lois qui vont ouvrir la porte au péché de manière libre et consciente, des lois qui vont venir accélérer le processus de mort de l'être humain, des lois qui vont venir pour avilir l'être humain, des lois qui vont venir pour réduire en esclavage les êtres humains sous couvert de modernisation ou sous couvert d'une certaine liberté, mais qui est folie selon Dieu, mais sagesse selon le monde, vous voyez. Donc le diable a un système de fonctionnement dans ce monde-là, parce que les premiers, ben voilà, Adam et Ève leur ont légué cette autorité, donc il a pu instaurer son gouvernement. Mais vous savez quoi? Vous savez quoi? Il y a une nouvelle race. Alléluia! Il y a une nouvelle race, une nouvelle création, une nouvelle créature qui a été implantée, j'ai envie de dire, par Dieu dans ce monde pour pouvoir répandre son règne. Alléluia, gloire à Dieu. Effectivement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que nouvelles créatures, Jésus a récupéré cette autorité-là et il nous l'a donnée. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, le diable agit dans l'illégalité. Et c'est à nous, enfants de Dieu, de revenir et de prendre véritablement position dans ce monde-là. C'est pour ça que tu ne peux pas te négliger. C'est pour ça que tu dois être la tête et non la queue. C'est pour ça que tu dois être le premier partout où tu es. C'est pour ça que nous devons également influencer toutes les sphères de la société. Nous devons reprendre le contrôle parce que cette terre nous a été donnée à nous, enfants de Dieu. Alléluia. Et nous devons véritablement manifester le règne de Dieu. Alléluia. Nous devons manifester le règne de Dieu et nous avons des outils tels que le nom de Jésus-Christ, alléluia, qui nous donne une autorité légale sur le diable, sur la maladie, sur le gouvernement et le système de ce monde pour pouvoir rétablir la vérité et rétablir le plan de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Vous pouvez faire bouger le chat. Gloire à Dieu. Amen, amen. Donc, je continue en disant justement que voilà, ils ont été séparés de Dieu. Et ce qui s'est passé, c'est que le temps, hein, bien sûr, hein, donc il y a la loi, les alliances, les dispensations, mais le temps que Jésus revienne, qu'il meure à la croix de Golgotha, qu'il fasse l'action qu'il devait faire, en fait, cette action de rédemption, et qu'il les ressuscite, il y avait un temps où les êtres humains, en fait, devaient tuer des animaux et verser leur sang. Et ce sang qui était versé, en fait, couvrait les péchés. Ça couvrait les péchés, mais ça ne les effaçait pas. Ça veut dire que le plan de Dieu de base, que l'être humain soit en communion avec lui également, parce que c'était également le plan de Dieu de base, hormis le fait qu'il règne, qu'il gouverne, l'être humain était en communion avec Dieu. H24, vous voyez ce que je veux dire? Et la Bible nous dit même que le Seigneur venait les rencontrer chaque soir pour les enseigner. Alléluia. Ils avaient cette relation, cette communion avec Dieu. Malheureusement, quand ils ont péché, ils l'ont perdu. Mais comme le plan de Dieu de base à ce niveau-là avait été boycotté, hein, avait un peu été tombé à l'eau à cause de la désobéissance de Adam et Ève, Dieu s'est dit, il faut que je trouve une solution pour rétablir cela. Et qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Donc, ils versaient le sang des agneaux, des animaux, ok, sans tache, et vous allez comprendre pourquoi je dis ça, des agneaux sans tache. Et ensuite, ces animaux-là, leur sang couvrait les péchés, mais ne pouvaient pas effacer le péché dans l'esprit humain. Vous voyez, la Bible va dire que le salaire du péché, c'est la mort. Quand tu pèches, tu dois mourir. Sauf que vous imaginez le génocide que ça aurait été si on devait... tout être humain, en fait, allait mourir. Il n'y aurait plus d'être humain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Dieu a dû trouver une solution alternative, le temps de pouvoir régler cette situation-là. Donc, à la place de la vie d'un homme, on demandait la vie d'un animal. Et comme ce sang est versé, il couvre les fautes, il couvre les péchés. Et ensuite, voilà, Dieu agrée le sacrifice, mais l'esprit de l'homme est toujours souillé par le péché et la vie de Dieu ne peut pas venir habiter en lui.
La vie de Dieu ne peut pas venir habiter parce qu'il y a le péché. Il faille d'abord parce que Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. C'est pour ça que tant que tu n'es pas né de nouveau, l'Esprit de Dieu ne peut pas habiter en toi. Parce qu'à ta nouvelle naissance, il y a quelque chose qui se passe. À ta nouvelle naissance, il y a quelque chose qui se passe qui est la régénérescence de ton esprit. Ok, je vais parler un peu de ça. Bon, je vais venir à ce point-là. Ok, je vais arriver dans l'ordre. Donc, le sang des animaux est versé, ça couvre, mais ça n'efface pas. Pourquoi ? Parce que ben, si c'est l'être humain qui a péché, il faut qu'il soit condamné. C'est la mort. Sauf que Dieu dit, ok, pour le moment, on va prendre les êtres humains. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ? 2000 ans et quelques après, il y a l'agneau de Dieu lui-même. Ça veut dire qu'avant, Dieu disait, vous, vous allez prendre des agneaux, vous allez prendre des animaux, vous allez les tuer, le sang va couvrir. Maintenant, Dieu lui-même a donné son agneau. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lui, son sang ôte le péché du monde. Parce que ce n'est pas le sang d'un animal, mais c'est le sang d'un être humain. Vous voyez, non ? Ça veut dire, comme j'ai dit tout à l'heure, le salaire du péché, c'est la mort. Les êtres humains ne peuvent pas tous mourir, sinon il n'y aurait plus personne en fait. Donc c'était un animal qui le faisait. Sauf que là, du coup, c'est un être humain. C'est un être humain qui est venu pour le faire. Et puis, dans tous les cas, aucun autre être humain n'aurait pu le faire. Vous voyez ? Parce que il fallait que ce soit un agneau sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Sans défaut, sans tache. Ça veut dire que Jésus-Christ, quand il est venu, d'ailleurs, vous allez remarquer que Jésus n'est pas né d'un homme et d'une femme. Il est né que d'un homme, que de la femme, par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Il n'est pas né de l'union d'un homme et d'une femme. Et d'ailleurs, vous allez remarquer également que, en fait, à chaque fois que Adam et Ève, depuis Adam et Ève, le péché se transmet de génération en génération. De génération en génération, le péché se transmet, en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que c'est par la puissance du Saint-Esprit, la parole de Dieu qui s'est faite chair, alléluia, dans le ventre de Marie, et Jésus est venu. C'est pour ça également qu'on l'appelle la parole. Il est la parole. Amen. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean 1:1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alléluia. Donc ça veut dire que cette parole qui a été faite chair, Horabashaka. Ah, quand je pense à ce verset, je suis en train de penser à toi et moi. My God. Parce que si vous saviez quelle position nous avons en tant que nouvelle créature, alléluia, nous allons venir dessus plus tard par rapport à cela. Mais je vais d'abord avancer parce qu'on a un passage à lire, hein, que je n'ai pas oublié là. Mais en tout cas, c'est pour vous dire que nous avons en fait donc la parole, donc Jésus qui a été faite chair. Et lorsqu'il est venu sur cette terre et qu'il n'a jamais péché, il n'a jamais, jamais, jamais péché. Il fallait que ce soit quelqu'un sans péché, quelqu'un sans défaut, quelqu'un sans tâche. Alléluia. Pour prendre ta place, pour prendre la place, ta place à la croix de Golgotha et ma place à la croix de Golgotha. Enfin, l'ancien nous, parce que nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien nous, c'était avant. Nous sommes morts avec Christ, nous avons été ensevelis avec Christ, nous sommes ressuscités avec Christ, nous sommes vivants avec lui et nous sommes même assis à la droite de Dieu le Père. Alléluia! Nous allons revenir également sur ça, mais je vais continuer à avancer donc, dans cette progression. Donc, Jésus-Christ a pris ta place, ok? On va dire ça comme ça, il a pris ta place, il a pris ma place à la croix de Golgotha. Là où tu devais être condamné à cause de tes fautes, à cause de tes péchés, lui, il a pris ça. Et quand son sang a coulé, son sang est capable de te laver, de te purifier de tous tes péchés et de te permettre de devenir une nouvelle personne. Aïe, 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 aïe. De devenir une nouvelle personne, une nouvelle fabrication, une nouvelle créature qui n'avait jamais existé. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous puissions comprendre, Seigneur, la profondeur
de ta parole, Seigneur. Alléluia. Et que nous puissions marcher, Seigneur, selon cette révélation au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc, je disais, cette nouvelle créature, cette nouvelle création-là, le sang de Jésus est capable de te purifier. Donc, ce qui s'est passé tout à l'heure, je le disais, en fait, que Dieu ne pouvait pas venir habiter en nous tant qu'il y avait encore le péché, parce que Dieu et le péché ne peuvent pas cohabiter. Dieu est saint. Dieu est saint. Le péché et la sainteté ne peuvent pas cohabiter. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu nais de nouveau, ça veut dire que tu passes par la phase de la nouvelle naissance. Ça veut dire que la Bible nous dit, comme Nicodème est venu voir Jésus, il dit, mais maître, maître, on sait que tu es vraiment un envoyé de Dieu. Ok? Nous savons vraiment, dans Jean 3, vous pouvez lire cette histoire-là, que tu es quelqu'un qui a été envoyé par Dieu. Nous le savons, parce que qui saurait faire de tels miracles? Nous le savons. Nous le savons. Alléluia. Mais il va lui poser une question. Mais du coup, comment faire? Comment faire? Comment? Je ne sais pas, est-ce que tu peux m'expliquer, Jésus? Et Jésus va lui dire quelque chose de très important. Il va lui dire, en fait, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et Nicodème qui lui dit, mais comment ça? Est-ce que même vieux là, comme ça, je peux retourner dans le ventre de ma mère et renaître encore? Non, il ne comprenait pas parce que Jésus lui parlait de réalité spirituelle. Jésus lui parlait de réalité spirituelle. Il parlait de la nouvelle naissance. Et à la nouvelle naissance, et on va nous le dire même dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, le Seigneur va prophétiser et va nous parler, dans Zacharie aussi, va nous parler de ce qu'il allait faire en fait dans la personne, justement, ce qu'elle allait faire de nouveau pour toutes les personnes, justement, qui allaient devenir enfants de Dieu, toutes ces personnes qui allaient naître de nouveau, toute cette nouvelle création, cette nouvelle génération, en fait, qu'il allait former, alléluia, des personnes qui sont nées d'en haut, non de la volonté de la chair, non de la volonté humaine, mais de la volonté de l'Esprit de Dieu, alléluia, des personnes qui sont nées de la parole, des personnes qui sont nées de l'Esprit de Dieu, alléluia, de la volonté de Dieu, amen, alléluia. Donc, en acceptant Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, en reconnaissant sa Seigneurie, en te soumettant à sa Seigneurie, en reconnaissant qu'il est le Fils de Dieu et que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu nais de nouveau. Lorsque tu as cette conviction-là et que tu le déclares, alors tu nais de nouveau. Mais lorsque tu nais de nouveau, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, ce n'est pas juste des paroles comme ça en l'air qui ont été libérées. Mais s'il y a eu un miracle, et pendant que Nicodème était en train de parler de choses naturelles, Jésus était en train de lui parler de choses spirituelles. Il lui a même dit, mais attends-toi, tu es un maître de la loi, tu ne comprends pas ces choses-là. Parce que Jésus était également un maître de la loi aussi, on l'appelait rabbi, maître. Il avait étudié la Torah, il avait étudié ces choses, mais il avait capté, il connaissait ces choses-là, vous voyez. Donc, mais je me dis quand même, Jésus, tu lui reprochais quand même ces choses-là, c'était un autre level, hein, Seigneur. En tout cas, donc, finalement, ce qui se passe, c'est que la Bible va dire, j'ôterai le cœur de pierre et je mettrai un cœur de chair et je mettrai mon esprit et je vous ferai en sorte que vous puissiez suivre mes lois et mes prescriptions. Et ça, c'est Ézéchiel qui va nous le dire, Ézéchiel 36. On va lire le passage, je vais le lire même dans Ézéchiel 25, à partir de verset 25, 36, verset 25. On va lire si on peut afficher. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je traiterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Ouais, je mettrai en vous un esprit nouveau et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez mes lois et pratiquiez mes lois. Alléluia. Ça ne devrait pas être aussi difficile pour un chrétien, pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, de pouvoir suivre. Parce que, en accord avec ce passage-là, il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Donc, à un moment donné, ce n'est pas normal en tant que chrétien né de nouveau, lorsque tu es là et tu galères à pratiquer, c'est qu'il y a un bug quelque part.
Et j'aimerais attirer ton attention sur cela parce qu'il y a beaucoup trop de chrétiens qui réessayent mille fois les mêmes choses. Ils voient que ça ne fonctionne pas, mais ils continuent à faire la même chose. Ok, je suis d'accord, il y a des choses dans lesquelles il faut persévérer. Ou il faut continuer à creuser, d'accord? Mais il faut que ce soit à la lumière de la parole de Dieu. Si tu persévères et tu continues dans quelque chose, il faut que ce soit la parole de Dieu. Il faut que ce soit une instruction qui a été donnée dans la parole de Dieu. Il faut que ce soit un réma qui t'a été donné dans la parole de Dieu. Si ce n'est pas un réma qui t'a été donné de la part de Dieu, alors arrête-toi. Ne fais pas les choses juste pour les faire. Parce que le problème, c'est que tu vas tomber dans l'activisme et dans la religiosité. Et sauf que si tu tombes dans l'activisme et dans la religiosité, tu ne vas pas pouvoir porter du fruit pour le royaume de Dieu. Du moins, tu ne vas pas porter les fruits que Dieu attend de toi pour le royaume de Dieu. Et je vais vous donner un exemple très clair. Beaucoup de personnes, et on va le lire dans la Bible, hein, on le sait dans la Bible qu'il faut pratiquer de bonnes œuvres, qu'il faut aider son prochain, qu'il faut faire les choses avec sagesse, qu'il faut avoir, aider les autres, supporter les autres, manifester de l'amour, faire toutes ces choses-là. On le sait, n'est-ce pas? Mais le problème est celui-ci. Il y a plein de personnes qui font de bonnes œuvres. Il y a plein de personnes qui aident d'autres personnes. Mais ils ne le font pas à la manière de Dieu. Il y a une manière de pouvoir marcher dans la vie chrétienne. Il faut le faire de la bonne manière. Le principal, ce n'est pas le résultat. Le principal, c'est le process, la manière dont tu as réussi à avoir ce que tu as. C'est la manière, c'est les choses que tu as mises en place pour atteindre tes objectifs. Et dans la vie chrétienne, énormément de personnes font de bonnes actions. Ils aident des personnes. Ils donnent des offrandes, ils font ceci, ils font cela. Mais regardez où est le piège. C'est lorsque c'est fait avec la mauvaise motivation, alors devant Dieu, c'est zéro. Ça ne sert strictement à rien. Et maintenant, la question que j'ai à te poser, c'est pourquoi tu fais ça? Est-ce que c'est pour toi-même, te glorifier toi-même ou te mettre à un niveau devant les hommes, devant tes frères et sœurs, devant des hommes de Dieu ou des pasteurs, devant... Voilà, quelle est la motivation? Donc, c'est pour ça que je dis que le but, ce n'est pas d'être religieux. Vous allez voir que dans la Bible, tout le temps, Jésus était en confrontation avec les religieux. Ah, qu'est-ce qu'il aimait? Tout le temps, il est traité de race pervers, d'hypocrite, parce que la religion t'emmène à l'hypocrisie. En fait, la religion est dépourvue de... Comment dire ça? Ah, là, 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 là. J'espère que je vais bien me faire comprendre. En fait, quand tu es religieux, généralement, quand on parle d'actes de religiosité, c'est faire les choses pour les faire. Et ce n'est pas véritablement les faire avec la bonne base. Ce n'est pas véritablement faire avec le socle. On va lire un passage biblique. C'est dans Jacques. Si je me trompe, dans Timothée. On va lire dans Timothée. Alors, dans 2 Timothée. Korabachete rebesata. Vous allez voir à quoi la religiosité emmène et pourquoi il faut faire très attention. 2 Timothée, chapitre 3, au verset 2. Vous allez voir. Et vous allez voir, en fait, dans ce passage, on ne parle pas des païens. Hein. Tout ce qu'on va décrire là, on parle des chrétiens. Oui? Ouais. Je vais me lire au verset 1. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux. » Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à son fils spirituel Timothée. Insensible, il lui donne des conseils pastoraux pour les églises, ok? Donc, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Et c'est exactement ça, la religion. C'est exactement ça la religion. La religion, c'est comme un manteau que tu portes, mais qui cache toutes les saletés que tu peux avoir sur toi. Vous voyez? Il y a des personnes parfois,
Il se lave pas. Non, mais c'est l'exemple qui m'est venu. Oh. Rigolez pas, c'est l'exemple qui m'est venu. Il y a des gens qui ne se lavent pas. Ils mettent un truc pour camoufler et juste le parfum. Faut arrêter ça. Eh bien, c'est comme ça la religion. La religion, c'est comme, par exemple, tu peux avoir une banane qui est pourrie, mais la peau, elle est encore jaune. Vous voyez ou pas? La religion, c'est comme un médicament placebo. Le placebo, en fait, c'est que c'est un comprimé, mais il n'y a rien dedans. C'est juste un comprimé, vraiment, mais il n'y a rien dedans. Par exemple, il y aura des comprimés de Doliprane, ou etc., quand tu as mal à la tête. Il y a quelque chose, il y a un principe actif dedans qui doit aller pour combattre les maux de tête, etc. Mais là, les placebos, c'est la forme du comprimé, d'accord? Mais il n'y a strictement rien dedans. Il y a même des tests qui ont été faits sur certaines personnes. On leur a dit, ah d'accord, tu as mal tel endroit, bah tiens, on te donne un médicament, mais c'était des placebos. Et tout d'un coup, ils commencent à dire, ah j'ai plus mal. Ah j'ai plus mal, vous voyez, c'est ça le placebo. Donc en fait, la religion, c'est comme un placebo, c'est comme un comprimé placebo. Ça veut dire que c'est tout ce qui est apparence. Comme il dit là, dans les derniers jours, voilà tout ce que les hommes vont être. Et c'est pour ça que Jésus traitait ces gens-là de tombeaux blanchis. Bon, il y en a à l'époque qui comprennent pas les j'ai envie de dire les insultes de l'époque. Les clashs de l'époque, ou voilà quoi. Pareil, vous voyez, le tombeau blanchi, c'est quoi? Dans un tombeau, qu'est-ce qu'on retrouve dans un tombeau? Dans un tombeau, on retrouve quoi dans un tombeau? On retrouve le corps mort, on retrouve les squelettes, les ossements desséchés, les os. On trouve, voilà, tout ce qui reste de la personne qui était avant. Dans un tombeau, c'est ce qu'on retrouve. Mais il dit, il est traité de tombeau blanchi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à l'intérieur, ils sont morts. À l'intérieur, ils sont éloignés de Dieu. Mais il y a quand même la peinture blanche dessus. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, c'est propre, etc. Mais c'est un tombeau. Et c'est ça la religion. Et c'est pour ça que la religion ne sauve pas. Et que la religion ne peut pas te sauver. Parce que malgré les actions que tu peux faire, si Jésus-Christ ne t'a pas sauvé, si tu ne t'es pas soumis à la seigneurie de Jésus-Christ, tu ne peux pas avoir accès au salut. Les actes ne peuvent pas te sauver. Et la preuve dans ce passage-là, justement, on dit, les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, ils seront rebelles, etc. Il y aura plein de choses. Irreligieux, blasphémateurs, ingrats, fanfarons, hautains, rebelles, alors par exemple, déloyaux, calomniateurs, vous voyez toutes ces choses-là, il parle des chrétiens. Dans les derniers temps, voici les caractéristiques. Ça veut dire que dans les derniers temps, la Bible nous dit même que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Quand l'amour n'est plus le catalyseur, n'est plus cette chose qui te pousse dans ta vie chrétienne, ton amour se refroidit. Et qu'est-ce qui se passe? Tu tombes dans la religion. Tu tombes dans les actions en reniant ceux qui ont fait la force. Tu tombes dans la piété en ayant l'apparence. Pardon. Parce que c'est pas ça la piété. La piété, c'est la vérité. C'est les véritables actions motivées par l'amour, motivées par les bonnes motivations, ok? Conduites par les bonnes motivations. Donc, il dit, mais ces personnes, justement, éloigne-toi d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Reniant ce qui en fait la force. Alléluia! Alléluia! Donc vous voyez, c'est important. C'est important de comprendre ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? C'est important de comprendre ces choses-là. C'est pour ça, il ne faut pas tomber dans la religion. Il ne faut pas tomber dans la religion et dans l'activisme. Juste à faire des choses pour les faire. C'est pour ça que tu peux toi-même t'examiner. Examine-toi. 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 Quelle est la vie que tu mènes aujourd'hui et les actions que tu poses aujourd'hui? Quelles sont tes motivations? Est-ce que c'est motivé par l'amour? Parce que la Bible nous dit dans Corinthiens 13, en fait, que tu peux même donner ton corps au feu pour quelqu'un. Si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert strictement à rien. Tu as perdu ce que tu viens de faire, en fait. Et c'est comme cela, lors du tribunal de Christ, c'est au travers du feu que tes actions vont passer. Et si ce n'est pas sur la base des bonnes motivations,
Ça va passer par le feu et ça sera brûlé et ta récompense sera brûlée. Oh Seigneur, aide-nous. Combien de fois nous allons faire des choses, parfois sur de mauvaises motivations, pour se faire voir, pour montrer que nous. Que le Seigneur nous aide à véritablement réaliser qui nous sommes. Parce que lorsqu'on va réaliser ce que nous sommes, nous allons arrêter de chercher à être certaines personnes, à vouloir être comme d'autres personnes. Nous allons réaliser qui nous sommes en Christ et nous allons pouvoir nous comporter et avoir le mindset du juste. Nous comporter, nous marcher comme un juste marche. La mentalité du juste, c'est une mentalité... Bon bref, on parlera de ça tout à l'heure. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est un type de mentalité qui te permet, toi, en tant qu'enfant de Dieu, à marcher dans les voies du Seigneur. Alléluia! Quand tu réalises cela, quand tu réalises qui tu es. Donc, il faut faire attention à cela. Il faut faire attention à ne pas juste être là, dans l'activisme, à faire des choses pour les faire. Sinon, tu tombes dans la religiosité, mon ami. Et à partir du moment où tu tombes dans la religiosité, je peux te dire que tu deviens féroce. On a vu, tu deviens féroce avec les autres. Quand tu tombes dans la religiosité, tu es dépourvu de compassion. Et tu tombes dans le jugement. Tu tombes dans le jugement. Tu tombes dans le jugement. Et tu n'as plus de miséricorde. Alors que la parole de Dieu nous dit que la miséricorde triomphe du jugement. Est-ce que dans ta vie, la miséricorde triomphe du jugement? Est-ce que dans ta vie, avec les personnes qui sont autour de toi, la miséricorde triomphe toujours? Ou est-ce que tu te retrouves maintenant à condamner les personnes qui sont en face de toi, tes frères et tes sœurs, les personnes que tu vois dans le corps de Christ ou même autour de toi, tes amis, tes parents? Est-ce que tu es dans le jugement ou est-ce que tu es dans la miséricorde? Parce que si tu es dans le jugement, tu es tout le temps dans le jugement. Il se peut que tu sois tombé dans la religiosité. Parce que quand on tombe dans la religiosité, il y a un voile. Il y a un voile qu'on met. Il y a un voile qu'on a sur nous-mêmes. La religiosité emmène. Ah, peut-être que dans ce live que je devais faire, je vais prendre cette parenthèse-là à parler de cela. Parce qu'effectivement, ça va être... un frein à la manifestation de qui tu vas être en Christ. Et ça va être un frein dans l'utilisation du nom de Jésus, de cette puissance qui nous a été donnée. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils prient, ils répètent juste dans leur prière, au nom de Jésus, non, au nom de Jésus. Mais ils n'ont pas conscience. Ils le font par religiosité. Ils ne le font pas par, je n'ai pas envie de dire conviction, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de conviction, il y a plein de gens qui ne... Voilà, je vais dire, ils ne le font pas par révélation ou par conscience de ce nom de Jésus. Vous voyez? Et nous allons, comme je disais, le sang de Jésus, justement, qui nous permet d'entrer dans cette dimension-là. On a lu tout à l'heure dans Ézéchiel 36, au verset 26, qui dit, je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Cet esprit nouveau-là, quand Dieu met cet esprit nouveau, cet esprit est saint. Saint. Sans péché. C'est pour ça qu'on dit quoi? Que les choses anciennes sont passées. En 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui s'identifie à Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que justement, l'ancien esprit qui était souillé par le péché a été ôté, a été détruit. Et je vous rappelle que ce qui fait de vous ce que vous n'êtes pas d'abord un corps. Et vous n'êtes même pas d'abord une âme. Vous êtes un esprit. Dans l'Ancien Testament, sous l'Ancienne Alliance, quand Dieu a créé l'être humain, c'était des âmes vivantes. OK? Quand Dieu a soufflé, c'était des âmes vivantes. Mais là, en ce qui concerne la nouvelle créature dont on parle dans 2 Corinthiens 5, 17, ce sont des esprits vivifiants. Ça veut dire quoi? Ce sont des esprits qui donnent la vie, des esprits qui communiquent la vie. En fait, c'est une race supérieure, une race qui a la même autorité que Dieu.
Oh, wow! Peut-être que ça te choque ce que je suis en train de dire, mais je suis très sérieuse dans ce que je dis. Quand tu es né de nouveau et que tu es enfant de Dieu, en fait, tu fais partie de la famille de Dieu. La Bible dit que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et ce n'est pas 50-50, c'est 100%, 100%. Tout ce qui lui appartient, t'appartient. Alléluia! Alléluia! Tout ce qui l'appartient t'appartient également. Donc, de la même manière que ses paroles étaient son esprit et vie, tes paroles aussi sont esprit et vie. Et j'aimerais que tu puisses réaliser avec moi aujourd'hui que lorsque tu parles, tes paroles ont un impact dans la vie de ceux à qui tu t'adresses. Tes paroles ont un impact dans le monde spirituel. Tes paroles ont même un impact dans le monde physique. En fait, j'ai envie de te dire quelque chose. Que cette autorité légale que tu as reçue de Christ lorsque tu es né de nouveau et que tu es devenu enfant de Dieu, en fait, la Bible nous dit que Christ, Jésus, en résistant à croix, a vaincu le diable. Et la parole de Dieu va nous préciser encore que nous avons déjà la victoire. Nous avons déjà la victoire sur l'ennemi. Ne cherchons pas à avoir la victoire, nous l'avons déjà. Et c'est parce que, comment dire, c'est parce que en fait, ce qui va faire la différence ici, c'est la conscience que tu vas avoir de qui tu es, de cette victoire-là qui va te permettre de véritablement régner ou pas. Et c'est ça qui va faire la différence entre les enfants de Dieu, entre ceux qui vont se faire taper par le diable et ceux qui ne vont pas se faire taper par le diable et ses œuvres. C'est qu'on doit constamment grandir dans cette révélation-là. On doit constamment grandir dans cette révélation. C'est important, je vous promets. Je dis souvent à des personnes qui disent « Oui, mais quand je viens, je me bats avec le péché, je n'y arrive pas. » etc., etc. Et je leur dis souvent, le but, ce n'est pas de te battre avec le péché, parce que si tu essaies de te battre avec le péché, il ne faut pas oublier qu'il y a la chair. Hein? Notre esprit est né de nouveau. On est saint de notre esprit, et le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Nous sommes un avec Dieu. Amen. Mais notre âme est en train d'être renouvelée. Et dans notre âme, il y a cette partie, justement, qui est encore du monde, qu'il faut justement, où il faut renouveler notre intelligence, renouveler notre manière de voir les choses. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. C'est le fait de pouvoir t'accorder avec la parole de Dieu. T'accorder et te mettre sur la même ligne que la parole de Dieu. Ça veut dire de t'aligner sur la vérité de la parole de Dieu. Avoir conscience. La Bible ne dit pas de renouveler ton âme, ton esprit, parce qu'il est déjà renouvelé. Alléluia. La Bible dit qu'on doit renouveler notre intelligence, être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia! Être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et lorsqu'il y a cette transformation-là et que ton intelligence est renouvelée à la lumière de la parole de Dieu, alors assurément, tu vas commencer à voir ces victoires dans ta vie. Alléluia! Tu vas commencer à voir ces victoires dans ta vie. Et Jean même nous le rappelle, où il va parler au Père. Il va dire, je vous écris Père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris jeune Jean parce que vous avez connu, vous avez vaincu le malin. Vous avez vaincu le malin. Il a déjà été vaincu. Le malin a déjà été vaincu. Et nous sommes, en fait, on n'essaie pas de le vaincre, on l'a déjà vaincu. Si tu as la révélation que tu essaies de vaincre le diable, tu vas te battre toute ta vie. Mais par contre, si tu as la révélation et que tu médites sur la parole de Dieu pour comprendre ton identité en Christ, pour comprendre ce que Dieu t'a déjà donné, ton héritage, tu vas te rendre compte que tu vas commencer à vivre ces choses-là. Vous voyez? La révélation de la parole de Dieu et de ce dans quoi tu vis, la réalité de ta vie actuelle, en fait, n'est que le reflet de la révélation et de la conscience de ton identité en Christ.
Ça veut dire que s'il y a des domaines dans lesquels tu n'arrives pas à avancer, des domaines dans lesquels tu tournes en rond, c'est qu'il y a encore des ténèbres dans ce domaine-là. Et le but, c'est de pouvoir être éclairé. Éclairé par une véritable lumière. Et cette véritable lumière, pourquoi je dis véritable? Parce qu'il y a plusieurs lumières dans ce monde-là. Et la véritable lumière qui a franchi, c'est la parole. Alléluia! Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. En réalité, un jour, pendant que j'étais en train de lire, vous connaîtrez la vérité et c'est la connaissance de cette vérité qui va vous affranchir. La connaissance que tu vas avoir de cette vérité qui va t'affranchir, qui va véritablement t'affranchir et te permettre de passer à une autre dimension. Ça veut dire que si tu bugs encore dans tes finances, c'est qu'il y a encore des ténèbres dans ce niveau-là. Et il peut y avoir même plusieurs sous-domaines dans les finances. S'il y a encore des ténèbres dans ta santé, s'il y a encore plusieurs fois, tu tombes malade à chaque fois, etc., etc., c'est qu'il y a encore des ténèbres. C'est-à-dire qu'il y a une vérité dont tu n'es pas encore au courant. Vous voyez? Et quand tu es au courant d'une vérité, tu exerces ta foi. Tu mets en pratique cette vérité-là. Alléluia! Tu mets en pratique cette vérité-là. Et cette lumière qui est la parole de Dieu, parce que je vous disais que la véritable lumière, parce qu'il y a d'autres lumières dans ce monde-là. Il y a la lumière de la philosophie, des philosophes. Il y a la lumière des scientifiques, donc la lumière des médecins. Il y a la lumière des professeurs. Il y a la lumière des parents. Mais la lumière, la véritable, celle qui est claire, qui donne la liberté, qui t'affranchit, c'est la lumière de la parole de Dieu. Alléluia! C'est la lumière de la parole de Dieu. Alléluia! Rekaba santa labaka. Et c'est pour ça que nous devons être connectés à cette parole. Jésus est la parole et il a dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. Vous êtes les branches. Vous êtes les branches. Et c'est sur les branches qu'il y a le fruit. C'est les branches qui portent le fruit. Ce n'est pas le tronc. C'est les branches qui portent le fruit. Alléluia! Ça veut dire que lorsque tu es connecté au cep, la vie qui coule dans le cep, c'est la même qui coule dans les branches. Et c'est celle-là qui peut te permettre de porter du fruit. Et il va le dire dans Jean 15. Il va le dire en fait que si quelqu'un demeure en moi et en qui mes paroles, ma parole demeure. Et en qui ma parole demeure. Tout ce que vous demanderez, vous le verrez s'accomplir. Rien ne vous sera impossible. Toutes ces choses-là, c'est parce que nous sommes connectés. Nous sommes connectés à la source. La Bible va dire que nous sommes la lumière du monde. Mais combien de personnes, d'enfants de Dieu se laissent influencer par d'autres lumières? Combien? Et ils sont connectés à d'autres sources dont ils tirent leur lumière, dont ils tirent leur éclairage, alors que nous devons être connectés à la source qui est Jésus-Christ pour pouvoir éclairer. Parce qu'il y a des chrétiens qui n'éclairent pas. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas connectés à la bonne source. Soit ils ne sont pas connectés du tout, soit ils sont connectés à une autre source. Et du coup, la lumière qui émane d'eux est une lumière falsifiée, est une lumière qui induit d'autres personnes en erreur, est une lumière de religiosité, est une lumière accusatrice. Ce n'est pas une lumière qui manifeste l'amour agapé. Ce n'est pas une lumière qui manifeste le pardon. Ce n'est pas une lumière qui manifeste la puissance de Dieu. Et c'est important. Vous voyez, il y a des personnes dans la vie, ils voient la vie en noir, le verre à moitié vide, tout le temps. Des plaintes, des critiques de leur situation. Ils n'arrivent pas à ceci. Tout le temps, c'est vraiment le noir. C'est vraiment des situations catastrophiques à chaque fois dans leur vie, voyez. Mais c'est parce que tu n'es pas éclairé de la bonne lumière. Tu n'es pas éclairé de la bonne lumière. Et vous savez ce qu'on regarde, par exemple, si on regarde une couleur, c'est selon la lumière qui va taper dessus qu'on va pouvoir avoir une couleur ou une autre. Arriver à véritablement voir certaines choses dans ta vie va te demander d'être connecté à la source. Et de pouvoir être éclairé de la véritable lumière
qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Alléluia. Et c'est ce nom qui t'a été donné. C'est ce nom qui t'a été donné. Le nom de Jésus, qui est le nom de Dieu. Le nom de Jésus. Alléluia. Yeshua qui signifie Dieu est sauveur et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est présent. Alléluia. Parce que Jésus-Christ était Dieu manifeste. C'était la parole faite chair. Il était Dieu manifeste. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Lorsqu'on pense à cela, on ne peut que bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Et ce nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms nous a été donné. Et la Bible va nous dire, dans Jésus même qui le dit, à la fin des évangiles, dans Marc, dans Matthieu, il le dit plusieurs fois. En mon nom, ils chasseront les démons, ils feront ceci, ils feront cela, ils feront telle chose, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris, etc. Quand tu fais les choses, tu viens au nom de Jésus. Ce n'est pas forcément que dire le nom de Jésus. Ce n'est pas forcément que dire au nom de Jésus ceci. Non, tu peux également venir au nom de Jésus. Comment je vais expliquer ça? Il y a un passage qu'on va lire dans Colossiens, chapitre 3, verset 17. Colossiens, chapitre 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Voyez ? Que ce soit en parole ou en œuvre, comment en œuvre tu fais au nom de Jésus ? Voyez ? C'est-à-dire que c'est une attitude dans laquelle tu viens. C'est une attitude dans laquelle tu pars. Une attitude dans laquelle tu démarres ta journée. Une attitude dans laquelle tu es en prière. Une attitude dans laquelle tu fais des actions de grâce. Une attitude dans laquelle, une mentalité dans laquelle tu vas aider des personnes. Une manière de vivre, que ce soit en parole ou en action, fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, hormis cet aspect-là dont vous êtes au courant, qui est l'autorité du nom de Jésus, cette autorité que le nom de Jésus a, qui est de pouvoir prier pour les malades, chasser les démons, faire toutes ces choses-là, c'est comme un témoignage que j'ai donné récemment. Je me suis dit, non, mais on a fait une semaine de jeûne et prière avec mon église ici à La Serre Paris. On a fait une semaine de jeûne et prière dans mon réseau, avec le réseau Sentinelle. Et c'était toute une semaine. Le thème, c'était une semaine pour devenir un homme, une femme de prière. Et tout au long de la semaine, j'avais enseigné, etc. Et à la fin, le dernier jour, le sixième jour, j'ai appelé ça la finale et j'ai dit à tout le monde, j'ai dit, venez avec au moins 5 sujets de prière sur votre liste. 5 sujets de prière. Et là, on s'est connectés, tout le monde est venu, etc. Et moi, sur ma liste, j'avais noté quelque chose qui me dérangeait beaucoup depuis quand même 3-4 mois. Il y avait une situation que je vivais, c'est-à-dire depuis juin, pour un contrôle comme ça, je suis allée faire des tests, etc. Et je me suis rendu compte que j'avais une infection urinaire. Je me suis dit, ok, une infection urinaire, ça c'est quoi ça? Bon, enfin, pas dans le sens ça c'est quoi ça, parce que je sais qu'est-ce que c'est, d'accord? Mais je me suis dit, mais ça c'est quoi ça en mode... Qu'est-ce qu'une infection urinaire fait ici? Qu'est-ce qu'une bactérie vient? C'est quoi le problème là? Bon, après, des infections urinaires, voilà, souvent pendant la grossesse, on en a, etc. Ça peut arriver. Mais je me suis dit, j'avais déjà eu ça auparavant. Et on te donne un médicament, une prise, ça y est, après c'est bon, le germe il est parti, il n'y a aucun souci. Sauf que je fais, je fais le test, je vois que je suis positive. Au test, infection urinaire, du coup, confirmé. Je dis, bon,
Le médecin me donne prescrit un médicament. Donc je prends le médicament. Je refais un test pour voir si c'est bon, parce qu'il faut que le truc soit parti. Je fais un test, donc au mois de juin, je vois que c'est positif, donc je reprends le médicament. Le mois d'après, je fais un test encore. Infection urinaire positive encore. La bactérie est encore là. Je lui dis, c'est bizarre. Donc comme le médecin reçoit directement les résultats, il m'appelle, oui, madame, vous avez une infection urinaire, nanana. Je dis, oui, j'en avais une, on m'a donné un médicament, mais ça n'a pas fonctionné. Il dit, bon, là, on va prendre cet autre médicament, c'est quand même un antibiotique fort, pendant une semaine, et puis là, c'est bon, voilà, tranquille, il n'y a pas de souci. Donc je prends le médicament pendant une semaine. Vous voyez, jusqu'à là, je n'ai pas encore le réflexe par rapport à ça. Comme c'est une zone de confort, vous voyez, parfois on ne bosse pas notre foi parce qu'on est dans notre zone de confort. On se dit, bon, j'ai déjà fait ça, j'ai la solution, je sais comment ça fonctionne, donc voilà. Et finalement, donc, je me dis, bon, bah vas-y, je prends le médicament. En plus, j'avais déjà une infection avant. J'avais pris ça, et puis il n'y avait aucun souci, c'était parti. Là, je finis, je refais un test. Infection urinaire encore. Non, je dis, là, c'est quoi? C'est pas possible. Donc là, pendant 3 mois, la bactérie, elle est là, elle dit, elle ne bouge pas. J'ai dit, bon, les médicaments, j'ai essayé. Et dans ma tête, je me dis, mais attends, mais on est où là? Dans ma tête, je me dis, mais attends, si cette bactérie, elle est dans mon corps, c'est parce que je lui ai permis d'être là en fait. Et tout d'un coup, vous voyez, c'est comme parfois, voilà, tu as des prises de conscience comme ça. Mais ça, c'est parce que je marche par la révélation de temps en temps, mais pas par la conscience H24. Et vous allez voir, ça, c'est une très grande différence dans la vie des chrétiens en général. On marche par la révélation de temps en temps. Quand il nous arrive quelque chose, oh, on prend conscience, on prie, on déclare, nanana. On, voilà, on prend conscience de qui nous sommes, l'autorité, nanana, on prie, on déclare. Mais mon ami, il y a une autre dimension où tu marches 100% H24, 7 jours sur 7, dans la conscience de qui tu es en Christ. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul n'a pas eu peur. Lorsque le serpent l'a mordu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste secoué sa main et le serpent est tombé au feu et les gens pensaient qu'elle allait mourir. Mais il n'est pas mort. Est-ce que vous avez vu l'apôtre Paul, la Bible nous dit qu'il a commencé, à prier. Koraba, shikarababa. Fou, fou, le feu au nom de Jésus. Je stoppe le venin, tu ne montes pas, tu sors de moi. Est-ce que vous avez vu ça? Non! Non! Parce qu'il y a une dimension où tu manifestes ta divinité, une dimension où lorsque tu es 100%, où tu as la conscience. En fait, c'est la conscience de Christ à 100%, 7 jours sur 7, c'est un niveau de... C'est le niveau de connaissance le plus élevé dans son degré, si j'ai envie de dire, en fait, où tu fais un avec la parole, l'épignosis. Tu fais un avec cette parole-là. Et quand tu arrives à ce stade-là, en fait, mon ami, le virus-là, il n'y a même pas de porte d'entrée pour lui. Quand tu marches de temps en temps, tu as la conscience de qui tu es, c'est-à-dire que ce n'est pas H24, c'est-à-dire que tu as la révélation, tu fonctionnes par révélation. La maladie a des portes d'entrée. La pauvreté a des portes d'entrée dans ta vie. C'est pour ça que notre but en tant qu'enfant de Dieu, c'est de se shooter à la parole, c'est d'être constamment rempli de la parole, c'est de méditer constamment la parole de Dieu, d'être constamment dans notre communion, avoir une atmosphère de foi, marcher dans l'esprit de foi, marcher dans l'esprit, en fait, l'esprit de la divinité. Oh my God, hallelujah. En fait, c'est marcher dans cette conscience-là. Quand tu es dedans 100%, mon ami, ça ne peut pas venir toquer à ta porte. Et pour continuer le témoignage par rapport à cela, du coup, j'ai dit non, mais en fait, en réalité, si elle est là, c'est que je donne autorisation d'être là dans mon corps. Mais vous voyez, j'ai eu un petit coup de stress d'abord. Parce que vous savez, en réalité, quand vous avez quelque chose et vous savez qu'il y a une solution humaine, parfois on ne bosse pas notre foi, on préfère la solution humaine. Ça veut dire que on se dit, bon, il y a les médicaments, etc., etc. Ça fait peut-être au moins 1 an ou 2 ans que je ne prends plus de médicaments, mais dans ce truc-là, dans ce domaine, parce que tout ce qui est maux de tête, etc., etc., ça fait vraiment un bail. Le dernier, je pense que la dernière infection urinaire que j'avais, ça remontait à ma grossesse de Kayla, elle va avoir 3 ans, donc ça fait longtemps que je n'ai pas pris un seul médicament parce que je bossais ma foi, même par rapport à une otite, etc., je vais faire le témoignage plus tard, une otite que j'avais eue, mais en tout cas, par rapport à cela,
ça faisait longtemps et comme bon, ça faisait longtemps que je n'ai pas bossé ma foi vraiment dans ce domaine. Les autres fois, je n'ai pas bossé ma foi dedans, j'ai juste pris les médicaments. Parce que c'est quelque chose qui est désagréable, vraiment désagréable. Tu as des douleurs, etc. Donc voilà, tu prends les médicaments. Je n'ai pas bossé, donc quand ce truc revient, moi par habitude, je me dis c'est les médicaments. Je prends sa part. Sauf que là, j'ai eu un coup de stress parce que les médicaments ne marchaient plus. Je me suis dit, waouh! De vrai, il y a un coup de stress dans ma tête. Je me suis dit, comment je vais faire? Vous voyez, toutes de suite les questions hein, qui viennent, mais attends, purée, j'ai tout essayé. J'ai pris tous les médicaments qu'on me proposait parce qu'on me dit que la bactérie est sensible à tel, tel médicament, tel, tel médicament. J'ai pris, ça ne part pas. Et dans ma tête, je me dis, waouh! Et c'est là, dans ma tête, je me suis dit, non, il faut que tu te ressaisisses. Ressaisis-toi. N'oublie pas. Et c'est là que maintenant tu retournes, tu vas voir les passages bibliques que tu connais. Hein? Ça, c'est un niveau et c'est une dimension. D'accord? Quand tu as un problème, tu prends la parole de Dieu. Ok, il y a la dimension de quand tu as un problème, tu vas voir un ancien, tu vas voir un responsable, tu vas voir quelqu'un pour qu'il prie pour toi. Mais il y a la dimension où tu es un peu plus mature en Christ. Quand tu as un problème, tu connais un peu la parole de Dieu. Donc, tu vas chercher toi-même dans la parole de Dieu. Tu regardes un peu qu'est-ce qu'il y a. Tu regardes les passages bibliques qui correspondent à ta situation. Mais il y a cette troisième dimension-là, en fait, où tu vis dedans. Ce n'est pas de temps en temps. Tu vis dedans, en fait. Tu vis dans cette atmosphère-là. Donc, quand tu es là, je me rappelle des passages bibliques. Ah, il y a 2000 ans, Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Il est mort, il a porté nos maladies. Nanana, vous avez été guéris il y a plus de 2000 ans. Ok, j'ai déjà été guéri. Oh, la parole de Dieu est puissante. Elle est plus acérée qu'une épée à double tranchant. Séparant moelle et jointure, esprit et âme. Nanani, nanana, elle dit des pensées du cœur. Tu te rappelles de tout ça, tu dis, waouh, la parole de Dieu est efficace. C'est vrai, la Bible dit, vous imposerez les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ah, c'est vrai, la Bible dit qu'il est le cèpe, que je suis le sarment. Alors la vie qui coule en Jésus, c'est la même vie qui coule en moi. Je suis assis dans les lieux célestes, à la droite de Dieu le Père. Alors la maladie ne peut pas attaquer là-bas. Alors la maladie ne peut pas m'attaquer. Donc tu commences à te rappeler de tous ces passages bibliques là qui viennent dans ta tête, parce que gloire à Dieu, le Saint-Esprit est là. Merci Saint-Esprit, il est là pour nous assister, pour nous aider. Toutes ces paroles là, il te les remémore et tu commences à méditer là-dessus. Tu commences à méditer et plus tu commences à méditer, plus en fait tu te rends compte simplement qu'en fait tu as déjà la victoire. Tu as déjà la victoire. Alléluia. C'est pas que la victoire tu viens de l'avoir, tu l'avais déjà, c'est juste que tu n'avais pas conscience. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit marcher dans cette conscience H24, dans la conscience de cette puissance que nous avons, dans la conscience du nom de Jésus que nous avons, alléluia. Donc, j'ai pris conscience de ces choses-là, donc j'élève ma voix et j'ai dit non, ton jour là, ton dernier jour là, c'est aujourd'hui. Donc j'élève la voix, pendant qu'on prie, chacun prie pour son sujet, et moi j'élève la voix et je commence à prier. Donc je dis, au nom de Jésus. Nanani, nanana, vous connaissez les prières d'autorité, d'accord? Donc, j'envoie le feu, ok? Je dis, j'ai été guéri, tu n'as pas à être dans mon corps, je te rejette, je te refuse au nom de Jésus. Non, la parole de Dieu donne une vérité supérieure, c'est que je suis déjà guéri, alors je suis guéri au nom de Jésus. Automatiquement, quand tu t'alignes sur la parole de Dieu, alors tout en toi se conforme à la parole de Dieu. Alléluia! Et ça, c'est dans toutes les situations. Tout en toi se conforme à la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Finalement, j'ai rendu grâce à Dieu. J'ai remercié le Seigneur. Parce que je me suis dit, mais je suis guérie. Gloire à Dieu. Donc, deux jours après, je vais checker, pas pour savoir si j'ai l'infection, je vais juste confirmer que je suis guérie. Ah, je vais avec l'assurance. Hein. Donc, je pars, je fais les tests. Et quand ça revient, donc je vois la conclusion que ils disent, en gros, je ne vais pas vous donner les trucs bactériurie, les termes là. En gros, ils expliquent tout simplement qu'il y a beaucoup de lymphocytes sans germes. En gros, le taux de globules blancs est anormalement élevé, mais il n'y a pas de germes sans bactériurie. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Parce qu'en fait, je t'explique, c'est que quand, par exemple, il y a une infection, les globules blancs se multiplient dans le corps pour aller combattre l'infection. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf que, comme bon, moi, j'ai prié, j'ai détruit le germe. J'ai dit au nom de Dieu, tu dégages de mon corps. Je ne t'autorise pas à être là. Tu vois, peut-être que le corps de quelqu'un n'est pas moi. Tu pars au nom de Jésus.
Donc, c'est-à-dire que ça a été tellement brusque dans mon corps, de manière soudaine, que ben, le truc n'a pas eu le temps, c'est-à-dire que les globules n'ont pas encore eu le temps, 2 jours après, de pouvoir devenir à la, de revenir à la norme, en fait, vous voyez ? C'est-à-dire que le germe a été détruit, et du coup, là, maintenant, il fallait le temps aux globules blancs, tout simplement, de réduire, ben, de partir et de revenir en quantité normale. Et du coup, donc, ce que j'ai fait, j'avais témoigné de ça à un de mes 12, et je lui ai dit, tu vas voir, je vais refaire un autre test demain, après-demain, et tu vas voir, là, non seulement le nombre de globules blancs sera à jour, mais il n'y aura toujours pas de germe. Effectivement, 2 jours après, j'ai fait le test. Non seulement le germe n'était toujours pas là, et de toute façon, il ne va pas revenir parce que j'ai pris pour ça, mais en plus, le nombre de globules blancs était revenu à la norme. Parce que ben, le corps s'est rendu compte, mais en fait, c'est comme si le corps a été surpris, a dit, mais il n'y a rien là, qu'est-ce qu'on fait là, les gars? Il y avait juste plein de globules blancs comme ça, mais le germe n'était plus là. Et qui s'est passé tout simplement? Hop! Les globules blancs sont revenus normalement, en quantité normale dans le corps. Et j'ai juste dit, gloire à Dieu! Gloire à Dieu! Parce que ce nom qui est au-dessus de tous les noms, ça veut dire que si cancer est un nom, si maladie est un nom, si infection est un nom, le nom de Jésus au-dessus de ce nom, alléluia, et tu peux l'utiliser contre tes situations, les situations que tu trouves défavorables dans ta vie. Et j'aimerais te dire que cette autorité, c'est une autorité légale. Et peu importe ce que le diable essaye de te faire croire, quand tu es tombé ou quand tu as péché pour essayer de mettre la culpabilité devant toi, sache que la justice de Dieu, en fait, c'est quelque chose qui t'a été donné. C'est pas quelque chose que tu as gagné par tes œuvres. Donc, de la même manière que tu n'as pas gagné ta position, ta justice par tes œuvres, tu ne peux pas la perdre par tes œuvres. C'est quelque chose qui t'a été donné par le sang de Jésus, grâce au nom de Jésus. Alléluia! Alléluia! Donc, ta situation là, qui n'est pas en conformité avec la parole de Dieu, doit fléchir le genou au nom de Jésus. Et j'aimerais te dire que quand tu élèves ta voix, quand tu parles, quand tu libères une parole, quand tu libères cette parole, le monde entier t'entend. Le monde spirituel t'entend. Et le problème, c'est quoi? C'est que l'enfer, parfois, a plus et plus au courant de ton identité que toi-même. Parce que le diable sait qui tu es. Les anges savent qui tu es. Les démons savent qui tu es. Mais le chrétien lui-même ignore qui il est. L'autorité, la puissance et le pouvoir qu'il a au nom de Jésus. De pouvoir se tenir là et de faire ces choses au nom de Jésus. De pouvoir se tenir là et de citer le nom de Jésus dans les circonstances, contre les montagnes, contre les circonstances. Alléluia. Oh, Rabba Shanta Rabba Seketele. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, utilise cette puissance-là. Utilise cette arme-là pour détruire les œuvres du diable. Parce que c'est la mission que Dieu t'a donnée aussi. Jésus a été envoyé pour détruire les œuvres du diable. Mais Jésus qui a commencé ses œuvres, qui doit les terminer? La parole de Dieu nous le dit, c'est nous qui devons terminer ses œuvres. Quand Luc va écrire dans Actes, il parle des œuvres que Jésus a commencées. Il a commencé, mais qui doit les terminer? C'est toi et moi, mon ami. C'est toi et moi qui devons terminer ces œuvres-là, alléluia. Donc s'il a commencé à détruire les œuvres du diable, tu dois continuer à détruire les œuvres du diable. Et continuer à détruire les œuvres du diable, c'est aller pour imposer les mains aux malades afin qu'ils soient guéris, pour chasser la maladie, pour chasser les démons, pour rétablir la vérité dans ce monde qui est corrompu, pour être cette lumière et briller, alléluia. Briller par ta sagesse, briller par ton intelligence, briller par les prodiges et les miracles. Alléluia. Et pour faire cela, le nom de Jésus t'a été donné pour accomplir ces choses. Nous sommes la justice de Dieu sur cette terre. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la gloire de Dieu. Alléluia. Nous sommes la gloire de Dieu. Il est le Père de gloire. Quand on dit il est le Père de Chantal, c'est que c'est mon nom, c'est Chantal. Mais quand je dis il est le Père de gloire, c'est que ton nom, c'est gloire. Tu es la gloire.
Tu es la gloire manifeste de Dieu à ce monde. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Alors manifeste ce que Dieu a mis en toi. Manifeste qui tu es. Et pour manifester qui tu es, pour pouvoir éclairer, je l'ai dit tout à l'heure, tu dois être connecté à cette source-là. Et quand tu es connecté à cette source, tu vas pouvoir éclairer et montrer la véritable lumière. Cette lumière qui écrase les ténèbres, cette lumière qui rétablit la justice, cette lumière qui restaure. Alléluia! Alléluia! Rien que ton bonjour dans la vie d'une personne peut changer sa vie. Et c'est ça qui fait la différence. Quand tu marches comme un simple homme et que tu dis bonjour à quelqu'un, il n'y aura aucun impact. Mais quand tu marches comme Dieu sur cette terre et que tu dis bonjour à quelqu'un, le fait de lui serrer la poignée ou de lui dire bonjour, il y a quelque chose qui se transmet. Ça veut dire que si tu es conscient de cela, quand tu parles avec une personne, elle ne peut pas repartir comme elle est venue en te parlant. Si elle était triste, assurément, il y a une puissance qui est sortie de toi pour aller impacter son cœur. Alléluia! Et c'est cette vie à laquelle nous avons été appelés. Une vie remplie de surnaturel. Alléluia! Ça veut dire que ce qu'on disait de Jésus, on doit dire la même chose de toi. Et si ce n'est plus, parce que lui, il est venu, il a juste fait 3 ans et demi, il nous a montré vite fait, il est parti. Vous voyez? Mais nous avons des années encore devant nous pour pouvoir établir le règne de Dieu, pour pouvoir manifester les œuvres du royaume de Dieu. Alléluia! Manifester ses œuvres. Nous sommes la gloire de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Le royaume de Dieu est en nous. Alléluia! Rekanama santa labayake. Et partout où tu pars, tu manifestes le royaume de Dieu. Tu manifestes la gloire de Dieu. Tu montres qui est Dieu. Parce que lorsqu'on parle du Fils, qui était l'empreinte, l'image et l'empreinte de sa personne, on parle de toi et de moi aussi. Est-ce que tu le réalises? Il y a des passages, quand tu les lis, ne vois pas seulement Jésus, mais toi aussi tu dois te voir. Tu dois te voir dans ce passage-là. Tu dois te voir dans ce passage-là. Et nous devons marcher avec la conscience. La conscience de qui nous sommes en Christ. La conscience que le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus, ce nom-là, Jésus-Christ, qui a vaincu l'ennemi. Le diable n'a plus aucune autorité dans ta vie, n'a plus aucun pouvoir dans ta vie que ce que tu vas lui donner. Le diable n'aura aucun espace, aucune place dans ta vie que la place que tu lui auras accordée. Si le diable a encore une emprise dans ta vie, c'est parce que tu lui as donné l'autorisation. Je te promets, c'est peut-être fort ce que je suis en train de dire, c'est peut-être dur même pour certaines situations qu'on peut vivre. Mais je vous promets, la parole de Dieu est vérité. Et la vérité, c'est que le diable a été vaincu. C'est une vérité absolue qui ne peut pas bouger. C'est ça la vérité. Maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, arrêtons d'essayer de justifier nos échecs par des demi-vérités. Il y a des vérités qui sont absolues dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit que nous avons la victoire. Maintenant, est-ce que cette victoire, tu la réalises? Est-ce que tu en as pris conscience? Vous voyez, c'est un peu comme... c'est un peu comme en fait des... Vous savez, il y a des jeux. Du coup, vous devez réussir une succession d'énigmes pour pouvoir débloquer. To unlock le prochain niveau. Pour débloquer le prochain niveau. Eh bien, vous savez, dans la vie chrétienne, j'aime prendre en fait, c'est un peu comme ça. Et les successions d'énigmes en question là, c'est comme la révélation, la conscience que tu vas avoir
dans certains domaines. En fait, tant que tu n'as pas cette révélation, tant que tu n'as pas cette connaissance, tu ne peux pas y avoir accès. En fait, tu ne pourras pas passer à cette autre dimension. Tu ne pourras pas manger certains fruits. Enfin, je sais pas, c'est logique, non? Ça veut dire que... c'est comme si je vous dis, par exemple... imaginons, par exemple, en France, ok? Bon, pour vous les Canadiens, je ne sais pas, mais en France, il y a, par exemple, les allocations et la CAF, ok? Il y a les allocations familiales. Et pour avoir l'allocation familiale, donc, il faut avoir certains critères, etc. Pour, voilà, tu as une famille de composée de combien de personnes, etc., etc. Ils regardent tes revenus et tout. Et ils te donnent. Vous savez qu'en France, il y a beaucoup de droits. Mais il y a des personnes qui galèrent, qui ne sont même pas au courant qu'ils peuvent bénéficier de ces droits-là. Mais est-ce que ça veut dire que ces droits-là n'existent pas, que ces privilèges n'existent pas? Non! Deux personnes peuvent bénéficier de mêmes droits. Il y a juste une personne qui n'est pas au courant et l'autre personne qui est au courant. Vous voyez? Il y en a une qui va galérer tous les mois pour dire « Mais comment je vais payer telle chose ?» Alors que si elle avait tout simplement la connaissance de cette chose-là, elle pourrait en bénéficier. Ça vous est jamais arrivé, vous êtes chez vous, il y a quelque chose que vous cherchez, vous ne savez pas, mais où est-ce que j'ai mis ça? C'est juste caché quelque part. Mais à partir du moment où vous avez la révélation, ça veut dire que révélation, ce mot en fait en grec, c'est photizo, c'est-à-dire éclairé, il y a lumière sûre. Ça veut dire que si par exemple je cherche... J'ai besoin d'un téléphone, un truc comme ça. Mon téléphone est posé là, mais imaginons que j'ai ça dessus. Ok? Bon, là, vous le voyez d'en bas, mais imaginons que vous ne le voyez pas. Moi, je ne le vois pas. Et je suis là, mais où est mon téléphone? Purée, j'ai besoin de mon téléphone. J'ai besoin de passer. Imaginons, j'ai un appel qui doit venir là, parce que cet appel-là, c'est pour que je puisse signer un contrat qui va me rapporter des millions. Et là, ce téléphone-là, je le cherche, je ne le trouve pas. Vous voyez l'enjeu qu'il y a derrière. Mais ce téléphone est chez moi. C'est juste parce que je ne suis pas au courant. Mais photizo, là, la révélation va faire ça, en fait. Enlever le voile. Et tu vas voir que tu as accès à ce téléphone. Mais est-ce que ça veut dire que ce téléphone n'était pas là? Si, il était là. Mais c'est juste que il y avait quelque chose dessus qui t'empêchait de voir. Le manque de révélation. Tu n'avais pas la révélation. Et bien, c'est la même chose. Mettre lumière sur. Mettre une projection sur la chose pour que tu puisses voir et comprendre. Et c'est comme ça, parfois, dans la vie, beaucoup de chrétiens. Il y a des enjeux énormes qui sont derrière certaines choses. Et tant que tu n'accèdes pas à ce niveau de révélation, il y a des choses dans ta vie qui ne pourront pas se débloquer. C'est pour ça que la croissance spirituelle est nécessaire. C'est pour ça que la croissance spirituelle, la maturité est nécessaire pour avoir un jugement. Quand je parle de jugement, je ne parle pas de juger les autres, ok? Je parle d'avoir un jugement, pas droit, j'ai envie de dire, oui, droit, mais... le mot m'échappe. Pour avoir en fait un, voilà, bon, on va dire un bon discernement, ok? Le discernement d'un homme fait, le jugement d'un homme fait, mature. On doit tendre à la maturité. C'est pour ça que tant que, si en fait, tu es chrétien, tu grandis, tu nais de nouveau, et tant que tu vas rester dans les choses des bébés spirituels, tant que tu vas rester dans les œuvres de la chair, tant que tu vas rester dans les enfantillages, et que tu ne vas pas prendre ta relation au sérieux avec Dieu et que tu ne vas pas grandir avec le Seigneur convenablement et véritablement, il y a des choses auxquelles dans ta vie chrétienne tu n'auras jamais accès. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut pas te le donner. En fait, c'est parce que c'est comme ça que c'est fait. Tant que tu n'as pas accès en fait, à ce niveau de révélation de maturité, tu n'auras pas accès à certaines choses. Pas parce qu'elles ne sont pas là, mais c'est parce que tu ne les vois pas. Sauf que qu'est-ce qui va te permettre de les voir? C'est cette révélation, c'est le fait de grandir
de grandir dans ta maturité spirituelle qui va te permettre de capter ces choses-là. Qui va te permettre de réussir à suivre le Seigneur correctement, à être un bon disciple, à savoir t'asseoir dans ta maison, à savoir suivre tes hommes de Dieu, à savoir te positionner en Christ, à savoir prier, méditer la Bible. L'art de prier, l'art de méditer la Bible, l'art du positionnement, toutes ces choses-là en fait, ce sont des choses qui se débloquent. À chaque fois que tu grandis spirituellement, tu passes à un autre palier. Tu grandis en sagesse, tu grandis en maturité, tu grandis dans ta révélation de qui tu es. Alors, il y a des choses qui te sont débloquées. Ça veut dire que, en fait, comme je l'ai dit, pas que le Seigneur ne veut pas que tu les aies. Elles sont là, mais il y a comme un voile dessus. Une fois que le voile est ôté, tu peux en bénéficier, tu peux en profiter. Un dernier exemple pour que vous puissiez comprendre. Quand il y a un enfant, imaginez que un enfant, j'ai des enfants, on a une table, il y a quelque chose qu'il veut, mais en fait, il ne sait pas que c'est sur la table. Mais il ne peut même pas le voir. Il ne peut même pas le voir parce qu'il est trop petit. Il ne peut pas le voir, il est trop petit. Il faut qu'il grandisse pour réussir à avoir une taille pour pouvoir atteindre cette chose-là. Vous voyez ou pas? Et c'est comme cela. Il y a différentes étapes de notre vie chrétienne et il faut prendre ces étapes un à un. Il ne faut pas griller des étapes. Maintenant, ça arrive de faire des erreurs, ça arrive de griller des étapes. Mais Dieu est miséricordieux. Oui, on va parfois manger des circonstances, c'est comme ça. Parce que tout acte, tout choix qu'on fait va nous conduire à on va avoir des répercussions, bonnes ou mauvaises. Parce que s'il y a des lois que tu violes, tu vas être sanctionné. Tu les grilles, tu vas être sanctionné et tu les respectes, tu vas en bénéficier. Donc oui, il y a peut-être des erreurs que tu vas faire, mais Dieu est capable de pouvoir te restaurer. Gloire à Jésus, Dieu est capable de pouvoir te guérir. Dieu est capable d'essuyer tes larmes. Dieu est capable de te repositionner. Alléluia, parce que sa miséricorde triomphe. Alléluia. Donc, en réalité, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu puisses prendre le temps de bâtir ta vie chrétienne, que tu prennes le temps de grandir spirituellement. Et plus tu vas grandir, plus tu vas avoir la révélation dans différents domaines de ta vie, plus tu vas prendre conscience de ces choses qui t'ont été données. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, du nom de Jésus qui est capable de briser des chaînes, qui est capable en fait de te donner de l'avance dans les situations, qui est capable de te guérir, qui est capable de guérir, de restaurer, ok, qui est capable de briser des autels sataniques dans la vie, dans ta vie, qui est capable de briser des liens, qui est capable de reconstruire, de rebâtir, alléluia. C'est le nom que tu peux utiliser, mais comme je le disais, pas par religiosité, mais pas révélation. Alors, si tu veux avoir la révélation justement de ce nom, il faut prendre le temps de méditer la parole de Dieu. On est dans un monde fast-food, mais ce n'est pas comme ça avec Dieu. Malheureusement, hein? Ou heureusement, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, ce n'est pas comme ça. Voyez? Et ça, vous reconnaissez même que c'est un... Ça fait partie du monde, du gouvernement, du diable. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous réfléchissez, tout ce que Dieu fait, il essaie de copier, il falsifie et il essaie de tout faire pour ralentir. Parce que Dieu est un Dieu de processus. Le diable, lui, il n'est pas dans le processus. Il est dans tout, tout de suite. Donc, il fait en sorte que la société entre dans un mood, dans un mouvement, pour que même les enfants de Dieu soient dans ce mouvement, dans ce mood, afin qu'ils ne passent plus par le processus par lequel Dieu veut passer pour la croissance. Parce que pour Dieu, ce qui importe, c'est le process, c'est les principes, ce n'est pas la finalité. Mais dans le monde, vous allez entendre que la fin justifie les moyens. Mais c'est démoniaque, c'est mondain ça. Ça, c'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu doit marcher. Tu ne dois pas te dire, peu importe le prix que je vais devoir payer, même si je vais faire du mal aux autres, il faut que j'arrive là où je vais arriver. C'est pas comme ça qu'un enfant de Dieu fonctionne. Ça, c'est les pensées du monde. Mais dans le royaume de Dieu, c'est notre mentalité, c'est le processus qui compte. C'est le processus qui compte. Donc dans le monde, il y a une mentalité de tout avoir tout de suite.
Pourquoi? Pour qu'on puisse être habitué à ne pas vouloir justement suivre et emprunter les voies de Dieu. Et il faut comprendre ces stratégies-là. Il faut comprendre, savoir que le monde est un ennemi pour toi. Si tu ne comprends pas que le monde, le diable, je vais même dire le monde seulement, parce qu'on sait que le diable a des plans négatifs pour nous. Mais si tu ne comprends pas que le monde a un plan contre toi, c'est de te refroidir en ta relation avec Dieu, c'est de t'éloigner de Dieu, c'est de te tuer même, de te faire mourir tellement il te remplit, il te refroidit. Si tu ne prends pas conscience de cela, tu vas te laisser avoir par tout ce qui se dit à la télé, par tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux, et tu vas laisser le monde entrer en toi. Qu'est-ce qui va se passer finalement? Tu vas te retrouver à être tiède et à être froid. Toutes les personnes qui ont bien commencé avec le Seigneur, mais finalement qui ne sont pas allées jusqu'au bout et qui ont rétrogradé, qui sont retrouvées dans le monde, ce ne sont pas des personnes qui se disaient au début de leur vie chrétienne quand ils étaient zélés qu'ils allaient retourner dans le monde, mon ami. La vie chrétienne est une course d'endurance. Ce n'est pas une course de vitesse. C'est tous les jours, tu dois bosser. C'est ce que l'apôtre voulait dire quand il disait en fait de bosser à son salut. Travailler pour son salut, ce n'est pas travailler dans le sens où « ouais, sinon tu vas perdre ton salut ». Non, on ne parle pas de cela parce que le mot « salut » a plusieurs significations. Mais c'est le fait de pouvoir poser les actions nécessaires, en fait se tenir, se positionner au cœur de la volonté de Dieu, se positionner là où tu dois te positionner pour pouvoir être sur ce chemin de l'élection. Parce que nous sommes tous appelés, beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ce n'est pas Dieu qui disqualifie les gens, c'est les gens qui se disqualifient tout seuls. Parce que ce qu'on appelle le chemin de l'élection, en fait, tout le monde court, mais à un moment donné, il faut se mettre sur la voie de l'élection. Et ça, ce sont tes choix qui vont déterminer si tu vas être sur le chemin de l'élection ou pas. De la même manière qu'avec David et ses frères, Dieu a dit qu'il les a tous rejetés. Ils ne savaient peut-être pas qu'ils étaient en train d'être jugés par Dieu, en train d'être pesés par Dieu, mais Dieu les a trouvés légers. Pourquoi? Parce que David, lui, s'est mis sur ce chemin. Et ce n'était peut-être pas David le premier choix, parce qu'il a d'abord jugé les autres frères, il a d'abord regardé, il les a testés. Donc s'il était tombé sur un des frères, il avait vu que c'était bon, ça allait être lui le roi. Mais finalement, ils ont tous été disqualifiés. Ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont fait des choses sans s'en rendre compte ou ils se sont disqualifiés. Mon ami, dans la vie chrétienne, c'est une vie chrétienne d'endurance. Ce n'est pas celui qui va le plus vite. Des gens qui vont vite, on en a vu, on en verra toujours. Seulement avec mes petits 9 ans en Christ là, je dis vraiment petit parce qu'il y a encore beaucoup d'années à vivre. Juste seulement avec mes petits 9 ans en Christ, j'ai vu beaucoup de personnes commencer et repartir. Et parfois je regarde, je dis, mais c'était des personnes qui étaient là, c'était des grands à moi. C'était eux que je prenais comme modèle. Et quand je vois ça, ça me rappelle. Et je prie, je dis, Seigneur, aide-moi à rester dans la course. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à garder mon cœur. Aide-moi à toujours marcher. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais juger les autres. Parce que ces gens-là ne se sont pas dit qu'ils allaient retourner un jour, qu'ils allaient tomber. Mais il faut prier et toujours demander au Seigneur de te garder dans la course. Alléluia! Il faut se maintenir dans la course. Parce que dehors, c'est féroce. Le diable est méchant et il rôde. Alléluia! C'est pour ça qu'il faut t'entourer des bonnes personnes. Il faut avoir des bornes. Il faut avoir des bornes, des garde-fous. Et les garde-fous, ce sont tes leaders. Les garde-fous, c'est l'église locale. Les garde-fous, c'est ta relation avec Dieu. Les garde-fous, c'est ta communion avec le Seigneur. Il faut avoir ces choses-là. C'est important. Et on ne le répétera jamais assez. Il y a des ingrédients, on ne réussit pas par hasard. On ne réussit pas par hasard. On doit poser des actions. C'est une succession d'actions qui va faire la réussite d'eux. De la même manière qu'il y a des gens, c'est à la fin de l'année qu'ils se disent « Mais pourquoi je n'ai pas réussi mon année ?» Parce que réussir son année, c'est réussir ses mois. Réussir ses mois, c'est réussir ses semaines. Réussir ses semaines, c'est réussir ses jours. Réussir ses jours, c'est réussir ses minutes. Réussir ses minutes, c'est réussir ses secondes. Vous voyez? Donc, tu dois d'abord partir du plus petit pour aller vers le plus grand. Tu dois faire attention à ce que tu fais de manière quotidienne. Ce n'est pas un jour ou l'autre, tu te dis « Ah tiens, je vais réussir ma vie chrétienne. » Non!
tu dois aller petit à petit. Faire en sorte de ne pas griller les règles, de ne pas griller ces choses. Par exemple, il y a déjà beaucoup de personnes qui se disqualifient déjà en n'ayant pas d'église locale, en n'ayant pas de père spirituel, en toutes ces choses-là. C'est les choses qui disqualifient, mes amis. Alléluia. Alors, c'est important. Ah oui, je peux vous dire, hein, des occasions de chute, il y en a plein. Et quand vous voyez quelqu'un tenir dans le ministère, quand vous voyez quelqu'un continuer à avancer, à se maintenir, ne pensez pas que lui, il a une grâce spéciale ou elle a une grâce spéciale. Elle aussi, elle passe par des offenses. Elle aussi, elle passe par des tribulations, des difficultés, parfois dans l'église, parfois dans son mariage, parfois avec les administrations, parfois avec les enfants, peu importe. Mais cette personne-là a décidé et a fait des choix qui ont fait qu'elle tient encore. Alléluia! Donc c'est important de connaître ces choses-là. Le tout, ce n'est pas juste Jésus, Jésus, voilà. Non, il y a des choses à connaître. C'est pour ça qu'il faut être enseigné, il faut avoir une église locale, il faut être fidèle à une église locale, avoir des enseignements. Ça fait partie du jeu. Et ça fait partie du plan de Dieu. Ah là là, mes amis. Nous sommes arrivés à la fin de ce live. Je vais prendre un moment pour prier pour la fin. Alléluia. C'est vrai que nous avons parlé du nom de Jésus, mais nous avons également parlé de bien d'autres choses. Et je pense que si le Seigneur m'a conduit de cette manière, je pense que nous avions besoin d'entendre cela. Alléluia. Là où tu es, tu peux élever ta voix, tu peux commencer à prier. Là où tu es, nous allons prier ensemble. Je vais prendre un premier temps de prière où je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades. Si tu es malade, pose ta main là où tu es malade. Si tu ne peux pas poser ta main là où tu es malade, parce que c'est une maladie particulière où tu ne peux pas toucher la partie, pose juste ta main sur ta tête comme ça. Alléluia. Pose ta main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Et au nom de Jésus, cette chose va partir. Père éternel, merci pour ce live, Seigneur, et merci pour ce nom au-dessus de tous les noms, Seigneur, que tu nous as donné. Et par le nom de Jésus, et au nom de Jésus, je viens prendre autorité sur toute maladie dans les corps. Et je vous ordonne de disparaître et de partir maintenant au nom de Jésus. Vous n'avez plus rien à faire là maintenant. Que l'onction de Dieu descende et vienne briser le joug de la maladie. Vienne briser le joug de toute maladie physique, de toute maladie mentale et psychique au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens briser les verrous de toute prison démoniaque dans lesquelles ils sont enfermés maintenant. Et je viens déclarer la guérison totale dans les corps. Je viens déclarer la guérison et la santé divine maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, je déclare que tout ce qui était d'origine spirituelle et démoniaque part au nom de Jésus. Je viens faire cesser toute oppression démoniaque dans leur vie, tout cauchemar, toute paralysie de sommeil au nom de Jésus. Je viens déclarer la liberté au nom de Jésus. Maintenant, maintenant, vous êtes libres au nom de Jésus. Maintenant, la santé divine, la vie de Dieu commence à remplir votre corps maintenant. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, je vois des vies être guéries. Je vois des cœurs être restaurés. Je vois des familles être réconciliées. J'ordonne à toute ulcère de partir maintenant au nom de Jésus. J'ordonne à tout problème de poumon de partir au nom de Jésus maintenant. Je déclare que tout problème cardiaque disparaît au nom de Jésus. Merci, Père éternel, parce que tu redonnes de la vigueur et de la force à celui qui était fatigué au nom de Jésus. Je déclare que toute personne qui se bat maintenant avec des pensées suicidaires, je viens faire taire ces pensées au nom puissant de Jésus. Je vous déclare libre au nom de Jésus. Maintenant, alléluia, toi qui me regardes, quelque chose est en train de se passer dans ta vie maintenant. Quelque chose est en train de changer. Tu reçois l'onction de Dieu, c'est normal. Tu reçois l'onction de Dieu, elle est en train d'opérer dans ta vie. Alléluia. 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 Merci Jésus, vous êtes guéri au nom de Jésus.
N'hésitez pas à appeler. Commencez à tester, à vérifier. Là où vous avez mal, vous n'avez plus mal. Non, tu n'as plus mal à la tête, tu n'as plus mal à la dent. Tu n'as plus mal là où tu avais mal, c'est terminé. Ce mal est parti au nom de Jésus. Appelle le numéro pour témoigner. Appelle Évangile TV, tu témoignes de ta guérison. Le numéro WhatsApp qui va s'afficher, tu peux également contacter ce numéro-là. Si tu veux également faire un don, alléluia, pour Évangile TV, cette chaîne qui te bénit, qui t'a permis aujourd'hui de recevoir ce message, si tu veux également te connecter, rendre grâce à Dieu et dire merci Seigneur, voilà, en faisant un don, je veux faire, en faisant cette semence-là, je veux te remercier Seigneur pour ce canal que tu as utilisé pour me parler, pour me guérir, alléluia. Et je vais également prier, faire cette ce deuxième type de prière que je voulais faire. Père éternel, je te bénis Seigneur pour ce live, Père. Je prie, oh Dieu, afin que tu puisses illuminer de notre cœur, Seigneur, afin que nous puissions avoir la révélation, Seigneur, de qui nous sommes en toi, Seigneur, de tout ce que tu as mis en nous, Seigneur, afin que nous puissions marcher, Seigneur, dans le plein potentiel, Seigneur, que tu as mis en nous. Et je déclare au nom de Jésus que toute tentative de l'ennemi pour nous faire tomber soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je viens déclarer que toute forteresse, Seigneur, qui nous tenait captifs, qui nous tenait éloignés de ta vérité, soit brisée maintenant par la puissance du nom de Jésus-Christ. Je déclare que toute personne connectée à ce live, Seigneur, commence à voir sa vie changer. Oh oui, Seigneur, je prie pour la croissance spirituelle. Oh oui, Seigneur, je prie pour la maturité en Christ. Et je déclare, Seigneur, que la révélation de ta parole nous éclaire et nous permet, Seigneur, de marcher au cœur de ta volonté, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que nous ne sommes plus jamais les mêmes. Oh, Rabba, Shika, Rabba, Seterebe. Nous expérimentons des choses incroyables, Seigneur, avec toi. Nous passons à une autre dimension, Seigneur, dans notre relation avec toi. Merci, Seigneur, parce que nous avons conscience de l'autorité que tu nous as donnée, Seigneur, ton nom qui est au-dessus de tous les noms, Seigneur. Et je déclare que toute montagne, Seigneur, doit fléchir le genou au nom puissant de Jésus. Rien ne peut nous résister, Seigneur, parce que nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur. Oh, Seigneur, nous sommes ta gloire manifestée sur cette terre, Seigneur. Nous sommes ta gloire manifestée. Nous sommes l'empreinte de ta personne. Nous manifestons qui tu es. Seigneur, nous manifestons la divinité en nous. Lorsque nous parlons, nous impactons des vies au nom puissant de Jésus. Toute personne, Seigneur, qui rentre en contact avec nous est transformée, est changée par la vie, par les paroles de vie, les paroles qui sont esprit et vie, qui sortent de nous. Alléluia. Je te bénis, Seigneur, pour cette nouvelle créature, Seigneur, pour ce sacerdoce royal, Seigneur, pour cette position privilégiée que tu as fait de nous. Alléluia. Que ton nom soit élevé. Oh oui, Seigneur, je prie que nous ayons la conscience de qui est Christ, de Christ en nous, l'espérance de la gloire, et nous marchons dans cette vérité. Je déclare, Seigneur, que tout mensonge de l'ennemi que nous avons accepté, qui fait obstacle au rayonnement de ta gloire dans nos vies, Seigneur, sois battu maintenant, sois exposé maintenant. Et je déclare que la vérité de ta parole, Seigneur, manifeste la liberté totale en Christ. Oh, Rabba, Shanta, Kalabasete. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Alléluia. C'était Chantal Rocambora pour ce live. La puissance du nom de Jésus. J'étais ravie de faire ce live avec vous. En tout cas, j'espère véritablement que vous avez été bénis. Et je le crois, n'hésitez pas à semer dans cette chaîne et à également laisser un commentaire pour dire la partie qui vous a le plus béni. Et puis, on se donne à notre rendez-vous. Restez connectés tous les jeudis à 20h. Pour des lives qui vont être bénissants et qui vont vous transformer. Que Dieu vous bénisse. Amen.